Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais revenir pour une petite vidéo pour vous montrer des courriers que j'ai reçus, la plupart pour, même tous, pour la bonne année. Alors, vous m'excuserez par rapport à ma voix, mais je suis légèrement enrhumée. Donc, alors, je prends un courrier et ce courrier me vient de Audrey, de la chaîne Audrey son nom. Donc, elle m'a envoyé cette très jolie carte. J'aime beaucoup son petit fond, là. Avec de l'embossage, un petit ruban, des demi-perles. Et je vois que il doit en manquer. Mais vous voyez, sur l'enveloppe, il y avait des trous. Donc... Et là, j'ai rien dans l'enveloppe. Donc, du coup, voilà. Il me manque certainement une ou deux demi-perles, mais c'est pas dramatique. Quitte à ce que moi, je les rajoute. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la petite carte de Audrey. Donc, Audrey, son nom. Ensuite, on a Sonia du 17. Donc, Sonia du 17, c'est que je vous dis cette bêtise. Donc, cette carte-ci. En shaker, c'est une mamie créa, voilà, c'est ça. En plus, elle m'a envoyé une ATC. Donc, déjà la carte avec bonne année et avec du coup un petit bonhomme de neige en shaker. Voilà, une petite un petit sticker. J'aime bien aussi le fond, couleur rose pâle, c'est très joli. Avec du coup une ATC meilleur feu. Avec un sticker en 3D, ici un embellissement en bois, du tamponnage et une découpe meilleurs vœux. Donc merci beaucoup. Donc, je ne vais pas remercier Audrey, donc je remercie Audrey et je remercie Sonia aussi. Ensuite, je montre les plus anciens courriers parce que j'ai reçu rien qu'aujourd'hui, j'ai reçu 4 courriers aujourd'hui. Et je ne sais plus. Donc là, nous avons Stéphanie du 80. C'est Pose Scrap. Voilà, c'est ça. Donc Pose Scrap, donc qui a fait une très belle carte aussi. Donc tout en washi. Donc elle a suivi un de mes tutos que je vous avais fait en vidéo avec plein de washi. Elle a rajouté des demi-perles, une découpe étoile. Une découpe aussi couronne et le mot joy. C'est vrai que ça rend super sympa. Hein. Avec le washi, on peut faire beaucoup de choses. Et effectivement, ça rend super joli. Et elle m'a glissé une ATC. Attrape rêve avec le mot merci. Une petite fleur, pareil. On retrouve la même découpe et les washi. Donc, merci beaucoup, Stéphanie, pour ton envoi. Ensuite, donc ça va être les courriers que j'ai reçus aujourd'hui. Donc, 4 courriers aujourd'hui. Donc là, j'ai Nathalie C. du je ne sais pas d'où, puisque je ne vois pas bien son petit... son adresse. Alors, hop. Donc, voilà. Une très jolie carte aussi. Donc, une carte... toute noire, avec juste ici un tamponnage blanc ou bleu. Et là, j'aime bien aussi, c'est avec des chutes de papier. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Donc, il y a son petit mot à l'intérieur. Et avec, elle m'a glissé une très belle ATC toute fleurie. Avec donc le papier. Et là, vous avez des demi-perles, des petits cœurs en strass. Pour agrandir ma collection. Donc effectivement, ma collection va s'agrandir avec tout ce que je reçois comme ATC. Donc merci beaucoup, on a dit à Nathalie. Ensuite, nous avons un courrier de Joël du 49 qui m'a envoyé une très belle carte aussi. Bonne année, donc papier embossé. Et là, je pense que c'est ouais, c'est que des petites découpes. Ça, j'aime bien son petit... Ouh là là!
la perle de pluie qui se fait la malle. Donc ça, je vais la mettre de côté. Je la recollerai après. Et là, vous avez donc un puffy, de la cordelette. Vous avez un tag, vous avez deux petites découpes ici. Et là, vous avez une découpe là avec des stickers. Et sur des papiers embossés. Donc du coup, il faut que je recolle la petite perle. Donc merci beaucoup Joël. Ensuite, nous avons Ghislaine. Donc c'est la personne qui avait gagné, je ne dis pas de bêtises, Mélodie d'enveloppe. Donc c'est Kalinetan. Voilà, donc ça. Alors j'aime bien son petit mot. Que cette nouvelle année soit remplie d'amour et de bonheur et de jours heureux. Je l'espère aussi. Donc une carte embossée avec de l'encre, je pense. Un sticker. Ouais, ton ruban là, il est très très joli aussi. Une petite. Je vais pas m'en rappeler. Une anecdote. Des die cuts. Une très très jolie carte aussi. Donc merci beaucoup Ghislaine, c'est très gentil de ta part aussi. Et le dernier courrier, donc celui-ci, alors il n'y avait rien marqué derrière, et c'est Ariel. Donc Ariel m'a fait une très belle carte. Alors je ne sais pas ce que c'est, si c'est un, je pense que c'est un tamponnage, mais il est magnifique ce tamponnage. Si c'est un tamponnage, il est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi cela. Mais ça rend, vous voyez, ça rend super bien. Puisqu'elle a mis sur les rouages. Alors, est-ce que c'est du crayon ou de la peinture? Mais elle est vraiment super belle ta carte. Avec du ruban ici. J'aime beaucoup. Et nous avons 2020 ici. Et en plus, elle m'a rajouté plein de petits tags. Alors j'ai une préférence pour celui-ci. Il est assez épais en plus, mais il est très très joli. Et oui, vous en avez plein de petits tags. Donc voilà, donc je te remercie Ariel, c'est vraiment très très gentil, ta carte est vraiment très jolie. Donc voilà pour mes petits courriers reçus dans ma boîte aux lettres pour la nouvelle année. Donc je vous souhaite une bonne journée et oui, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, bye bye.